tous, comment allez-vous? Alors moi aujourd'hui je suis en pleine forme et dans cette nouvelle vidéo je vous propose un conseil pour affiner votre silhouette. Si vous avez tendance à prendre du poids au niveau du ventre et du haut du corps, c'est ce que l'on appelle un profil Android. Et donc aujourd'hui je vous fais un conseil de morphonutrition. C'est une alimentation spécifique pour une perte de poids ciblée à un endroit dans le corps. Alors quand on a tendance à prendre du poids au niveau du ventre, que vous soyez un homme ou une femme, en général c'est parce qu'il y a un dérèglement hormonal et ou une inflammation du système digestif. Dans ce cas, nous allons privilégier une alimentation anti-inflammatoire. Donc les aliments à éviter sont les produits sucrés, les produits industriels et transformés et les produits laitiers de vache. Et au contraire, les aliments à favoriser sont les produits céréaliers complets, les produits à base de soja, les fruits et les légumes et les graines oléagineuses comme les noix, les noisettes, les graines de sésame, etc. Il y a aussi des conseils en hygiène de vie. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, de travailler la relaxation avec la méthode de respiration profonde, de pratiquer une activité de cardio training au moins une fois par semaine et d'utiliser de la cannelle dans votre cuisine. Donc je vous propose un menu type sur une journée avec cette alimentation anti-inflammatoire. Au petit déjeuner, un yaourt au soja nature, un fruit cuit à la cannelle et une poignée d'amandes avec un thé vert. Le midi, une part de viande, donc deux fois par semaine, une part de poisson gras deux fois par semaine, une part de poisson blanc deux fois par semaine et un œuf une fois par semaine, enfin une part d'œuf, donc par exemple deux œufs. Une part de légumes cuits avec une cuillère à café d'huile d'olive et une cuillère à café de graines de sésame ou de chia par exemple. Une part de crudités avec une cuillère à café d'huile de noix. Je vous conseille de faire un goûter avec un yaourt au soja nature, une poignée de fruits oléagineux, donc tout ce qui est noix, noisettes, etc. et un fruit. Et le soir, un végétal riche en protéines comme des légumes secs, des petits pois, du maïs, du quinoa, du tofu ou un steak de seitan. Un dosage de légumes, un légume cuit avec une cuillère à café d'huile d'olive. Vous pouvez accompagner votre changement d'habitude alimentaire avec de la micronutrition en travaillant sur la régulation hormonale et diminuer l'inflammation du système digestif en faisant des cures d'huile d'onagre, de fucus, de probiotiques, de chrome, de curcuma et d'aloe vera. Si vous souhaitez des références de compléments alimentaires de bonne qualité, faites-en moi la demande à l'adresse mail qui s'affiche ici. Vous pouvez d'ailleurs télécharger ce menu type sur mon site internet ou alors pareil, je peux aussi vous l'envoyer par mail. Donc dans ce cas-là, faites-en moi la demande aussi. Dans la prochaine vidéo, j'ai interviewé pour vous un coach sportif qui nous donnera des exercices d'amincissement pour cibler justement la perte de poids au niveau du ventre. Et oui, rien de tel que les conseils d'un professionnel. Alors, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne YouTube Sofresh & Diet, pensez à activer la cloche pour être averti dès que la prochaine vidéo sera en ligne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, régalez-vous bien.